Et salut à tous, c'est GameWolf pour une petite vidéo sur Don't Even Think. Donc voilà, de prévu sur ce jeu, on va toujours du côté de l'humain, hein, parce que du loup-garou, comme j'ai pas eu 10 pouces bleus dans la vidéo qui suit celle-ci, je vous invite à aller la voir, elle sera dans la description les gars, allez la voir. Hein. De toute façon les gars c'est facile, vous allez sur ma chaîne YouTube et normalement c'est la deuxième vidéo quand vous allez dans récente vidéo. Bref, on va démarrer la partie, let's go. Et voilà les gars, nous sommes dans l'avion, prêts à atterrir, je ne sais pas. Ah, on va atterrir là, et voilà, nous sommes dans l'avion. Pour la dernière zone, je sais qu'elle va atterrir, crash test, je sais. Mais je sais pas aussi. Je sais pas non plus. La 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 la. Bref, voilà. On va ramasser des armes. Bien sûr, parce qu'on va pas se battre avec des poings. Je ne crois pas que le loup-garou appréciait ça. Le loup-garou il nous bouffe même si on a une arme, alors quand même pas là. Si vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Bref, passons au gameplay. Normalement les gars, vous ne devrez plus entendre trop ma manette, parce que je sais que... C'est quoi qui a fait ce bruit là? Oh, je suis une bite, c'est moi. Oh les gars, ça m'a stressé. Pouloulou. Je me suis pissé dessus moi-même. J'ai cru que les gars, il y avait une personne, mais non, c'était moi. Ah, il y a déjà un loup-garou qui s'est transformé. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Là, je mens pas, là, il y a une personne qui... Ah bah oui, c'est lui. Ah ben non, toi, t'as pas le passe de combat, gna gna gna. Oh! Oh, cette pute, il m'a volé ma grenade. Ma grenade! My big grenade. Starfou, là. Oh putain, sa mère. Attention, le combat il pique. Je l'ai tué. Tiens. You dead, motherfucker. C'était un anglais très très nul. Et j'avais oublié que j'étais nul aussi. Non, en vrai, ce jeu est... j'ai fait plusieurs top 1 dessus, même en loup-garou ou... bah, normal, en loup-garou, c'est... En fait, parfois, vous avez de la chance de tomber comme des types qui n'ont pas les munitions de pistolet ou des armes légendaires. Parce que les gars, la G36 légendaire, elle vous fait mal au cul. Elle vous fait très très mal au cul. Hein. Surtout quand vous êtes loup-garou. Même quand vous êtes humain. Hein. Vous avez une G36 en face de vous, vous êtes mort. Hein. Vous êtes mort quoi. KO, touché, vous êtes décédé. Globalement, la direction. Cordialement, la direction. Non, en vrai, ce jeu-là, il est chouette à jouer avec ses potes et tout. Bah, j'ai joué pendant les 2 semaines. 2 semaines en jour et nuit. Etc, etc, avec mes potes très sympathiques. Voilà, ça c'est la vie de GameWall. Non, on va essayer de faire top 1 les gars. Petit top 1. Mange du pain, ça mange pas de pain. Starfool là. Heureux les amis. Donc voilà, je suis mort malheureusement et j'ai crash.
En fait, là, le record, il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné. J'ai pas su sauvegarder le record. Je vous redis tout. Bref, on est arrivé à l'avion, près du. On était en train de choper un genre de boîte mystère, où il y avait plein de stuff. J'ai buté un premier loup-garou. Il y a eu deux loups-garous qui sont venus sur moi. J'ai pu rien faire, les gars. J'ai même pas tiré. J'ai même pas su tirer. J'ai vidé mon chargeur complet de mon AK-47 sur les deux loups-garous, mais ils m'ont tué. Ils étaient deux, voilà, j'étais invulnérable. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour la suite si vous voulez la suite du loup-garou, ou si vous voulez encore une vidéo dessus. Bref, c'était Game Wolf, et ciao!